Ok, alors je cherche mes idées de vidéos et oh, j'ai une idée. Enfin, j'ai pas une idée. Les abonnés ont une idée. Quoi, neuf tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va être sur moi. Je sais, je suis narcissique. T'inquiète. Donc aujourd'hui tout le monde on se retrouve pour une vidéo qui va parler du coup de moi, est-ce que je me connais réellement? Parce que l'idée c'est que les abonnés du Discord, enfin les modérateurs du Discord ont bossé pendant plusieurs semaines sur un quiz que je m'étais promis de faire sur la chaîne depuis très longtemps. C'est en gros un quiz pour savoir est-ce que je me connais réellement. C'est beau. Si vous ne me connaissez pas, si vous découvrez la chaîne ou si vous connaissez déjà la chaîne et vous voulez juste savoir plein de trucs sur moi, et bah on le découvrira maintenant, ça se trouve je vais avoir des fautes. Si je me connais pas moi-même, honnêtement ça va me faire du mal. Mon petit cœur. Donc on est parti directement pour commencer le quiz. Et je le mets dans la description, parce après genre si vous voulez le refaire, vous pouvez. Quelle est la date de la Quoi? Quelle est la date de la création du Discord de Raytonia? On va dire septembre 2017. Oh, mince! Oh non! Ils disent pas si c'est bon tout de suite! C'est-à-dire que je dois attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si je me connais moi-même. À combien de commentaires réagit-il dans sa dernière vidéo? Je lis vos commentaires. Oh putain, le quiz date et je saurai jamais ce genre de questions. En général, pas beaucoup. Genre, j'essaye de mettre beaucoup de temps sur un commentaire, donc 14. Quel est le nom de la vidéo musicale de Rayton? Pour l'Alliance, bienvenue sur mon île, Undertale Adventure Song. On écrit sur les murs cover. Non, c'est bienvenue sur mon île. Ici tout est tranquille. Le farming est facile. Les dinos sont utiles. Si vous connaissez pas cette vidéo, c'est un chef-d'œuvre. Quel a été le premier pseudo de la chaîne de Rayton? Nother Wolford, c'est sûr. Parce qu'en gros, j'explique. L'idée, c'est qu'à l'époque, en fait, j'étais pas tout seul sur ma chaîne. Ma chaîne, elle m'appartenait pas. Elle appartenait en fait à un ami. Et en fait, je faisais des vidéos avec lui. À l'époque, mon pseudo c'était Nother. Et lui s'appelait Wolford. Et du coup, pour l'originalité du pseudo, on s'appelait Nother Wolford. Et depuis, j'ai repris la chaîne et du coup, j'ai renommé en Rayton. Combien de vues à la vidéo de Ark la plus regardée? Ouh! Elle est pas encore sortie. Ok. Alors, peut-être que c'est moi qui vais être prétentieux, mais... Non, pas 305 000. Je sais que j'ai des vidéos à 300 000 vues, mais c'est pas elle. C'est impossible. Ah, quoique non! C'est ok. Je pense que c'est ça. En fait, je pense que c'est 305 vues, mais c'est pour... 305 000 vues, c'est pour justement le clip musical de Bienvenue sur mon île. Et c'est tout être tranquille. Je pense que c'est ça. Quelle est la vidéo la plus vue de la chaîne de Rayton? Séquence PEP Magie Brevet 90. Vos pires commentaires, je suis le Mothership. Je prends que ma mère, ça tourne mal. Explication. Je prends que ma mère, ça tourne mal. Non, je connais. En fait, je crois que vous l'avez jamais vu ma mère dans les vidéos. Vous savez quoi? Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec elle. Mais pour l'instant, non. Je crois que c'est Je suis le Mothership. C'est une vidéo sur un jeu en yo, je crois. Je crois que c'est Diap.io. Combien de tutos, comment avoir des PO sont sortis sur la chaîne de Rayton? Donc, en gros, comment avoir des PO, c'est la première série qui a fonctionné sur ma chaîne. C'était une série là, en gros, j'expliquais comment gagner de l'or dans World of Warcraft. Parce qu'en fait, j'étais très mauvais dans le jeu, mais pour gagner de l'argent dans le jeu, j'étais chaud. Je sais pas pourquoi. Je pense 21. Je pense pas plus de 21. Quelle est la grande star ayant fait un best-of des morts de Rayton sur Fortnite? Oh, je sais, c'est Chopper Magic. Il a fait un best-of trop cool de toutes mes morts sur Fortnite. Le best-of dure 3 jours. Combien de vues à la vidéo la plus regardée? Je pense que c'est 332 000 vues, je pense. À quel jeu Rayton n'a jamais joué? Minecraft, j'étais à 5, ce qui est 3 Simutica. Minecraft. J'ai jamais fait de Minecraft sur la chaîne. Wolford, donc celui qui faisait des vidéos avec moi à l'époque, lui en avait fait, pas moi. J'en pouvais encore trouver les vidéos de lui qui joue sur ma chaîne. Genre en vrai c'est trop bizarre, genre vous allez sur ma chaîne, vous pouvez voir des vidéos d'un autre gars que vous connaissez pas. Où a été tournée la première vidéo annonce de live caritatif? Dans une forêt. Oh, oui, je m'en souviens. Non, attends. Oui, c'est dans une... Non, c'est pas dans ma chambre, c'est sûr. C'est pas dans les toilettes. C'est pas dans une voiture. C'est dans une forêt. C'est dans un... Je sais pas pourquoi j'ai tourné cette vidéo dans une forêt. J'avais un gros problème à l'époque. Quel calendrier Rayton hésitait lors de son vlog à la Défense? À Défense, c'est un quartier dans Paris. Barbie, Walking Dead, Guardians of the Galaxy, Assassin's Creed Origins, Game of Thrones, Rick and Morty, Batman, Undertale. Si je voyais un calendrier Undertale, je l'aurais déjà acheté. Donc c'est Guardians of the Galaxy, Assassin's Creed, je crois. Putain, mais c'est quoi ces questions? Mais je sais très bien. Hé, hey, je veux des questions dures. Où sont les questions difficiles? Pour l'instant, moi, je crois que je gère pas contrôle. Sa première vidéo sortie sur la chaîne est sur World of Warcraft, Agario, vlog ou plagiat. Ok, je lève les mains, j'avoue, je me dénonce. En gros, la toute première vidéo sur la chaîne, que je mettrai pas d'ailleurs ici, parce que sinon je vais me faire démonétiser. C'est une vidéo, en gros, de... C'est pas vraiment un plagiat, en fait, c'est un réupload de ma musique préférée qui est dans World of Warcraft. Donc oui, c'est pas une vidéo de moi, mais en soi, c'est une vidéo de World of Warcraft. Bon, on va dire que c'est un plagiat, parce que c'est pas à moi. Le dessin animé préféré de Rayton, Super Nana, Shrek, Rick et Morty et Simpson. Ah ah! Et bah, tout est faux! Non, c'est impossible. Là, mon dessin animé préféré, tout le monde le sait, c'est Bob l'éponge. Donc, je suis très vexé. Mais j'adore. En fait, tous ceux qui sont là, j'adore. Mais je crois que c'est même pas un dessin animé. Quel est le plus gros don que Rayton ait reçu en live? 500 euros. Merci Biggie pour le don. C'est trop bien. Combien Rayton a-t-il de vidéos sur sa chaîne YouTube? Oh, 900. Je pense 900. Pas 1200, c'est un peu beaucoup. 900, c'est bien. Quel est le jeu préféré de Rayton? Ark, Fortnite, Doki Doki, World of Warcraft. J'adore vraiment tous ces jeux, mais World of Warcraft. World of Warcraft de très 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 loin. Quel surnom donne Rayton à son groupe? Les canards, les copains, les cailles, les potes à la compote. Les cailles, parce que... Attends, même ça, c'est un plagiat.
En gros, il y a un streamer français qui s'appelle What the Fuck, et j'ai déjà fait des vidéos avec lui, qui appelle toujours tout le monde les Kai, les grosses Kai, les moyennes Kai, etc. C'est en fonction de sa hiérarchie. Genre, c'est son gros. C'était un très bon ami, t'es la grosse Kai, c'était un petit ami, t'es la petite Kai. Donc, moi, j'appelle tout le monde les Kai à cause de lui, c'est un réflexe. Quelle est la date de naissance de Rayton? 7 septembre 1997, 21 mai 1998, Il a toujours été là. Oui, j'ai toujours été là, je suis un monstre. Non, je suis né le 3 novembre. Anecdote pour celui-là, genre je suis né le 3 novembre, en fait j'aurais dû naître le 2. Parce qu'en gros, c'est que le 2 novembre c'était le jour des morts, littéralement. Et ma mère, elle voulait pas du tout que j'accouche le jour des morts. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a repoussé son accouchement, elle a serré ses fesses, et je suis sorti un jour après. Merci maman, j'ai adoré rester dans tes fesses. Parce que oui, je suis sorti par le cul, je l'avoue. Comment s'appelait la musique de l'outro de Rayton d'avant? The Fat Tracks, je sais pas comment ça se prononce. Dédédédédis Sun Hollow We Rise, Jules Lovni. On m'appelle Lovni. Han Solo We Rise. Ah non, non, Han Solo et Sun Hollow. Oh, j'ai un doute, c'est forcément un des deux. Sun Hollow, allez. Rayton fait du BMX, du roller, du skate, de la trottinette. Impossible de répondre à cette question, parce que je fais du BMX, je fais du skate et je fais la trottinette. Et jamais de roller par contre. Genre roller, j'ai déjà essayé, mais j'ai pas réussi à accrocher, je sais pas. Mais actuellement, je fais plus du BMX. Mais j'ai fait des trois, j'adore les trois. Quand a été sortie la première vidéo de Rayton? La première vidéo de moi, je pense, avec purement Rayton comme pseudo, elle est sortie il y a longtemps. Elle devait être sortie en 2014. Enfin, 2014, c'est une année, genre, je m'en fous complètement. J'ai l'impression que ça a rien passé en 2014. Par contre, je crois que vraiment la toute première vidéo de la chaîne, le plagiat justement, qui après est resté, je pense que c'était en 2012. Hein. Quelle est la pizza préférée de Rayton? Poulet ananas, clafoutis aux cerises, chèvre miel, 4 fromages. Ah, vous me faites du mal. J'adore toutes les pizzas, mais poulet ananas, c'est vraiment... Bon, allez, poulet ananas, j'adore les poulets ananas. Ceux qui disent, on met pas d'ananas sur les pizzas, ok. Mais alors, on en parle des gens qui mettent littéralement du Nutella sur la pizza? Moi, je suis en guerre contre eux. C'est comme le Nutella sur les sushis, c'est le gros bordel. Quel est le youtubeur préféré de Rayton? PewDiePie, Jacksepticeye, Studio Bubble Team et Logan Paul. Il y a une faute à PewDiePie, il manque un E. Jacksepticeye, j'adore Jacksepticeye, c'est mon youtubeur préféré, j'adore vraiment trop ce qu'il fait. Combien y a-t-il de personnes approximativement sur le Discord de Raytonia? D'ailleurs, allez sur le Discord si vous avez le temps, c'est toujours cool. 100, 350, 550, 800. Ah, je sais pas, en vrai, je dirais. Ah, oh, je sais pas, parce qu'en vrai, j'aurais dit 200. Bon, allez, vas-y, moi, je vise haut dans ma vie. I hopes for a living, je mets 350. Quel est le let's play d'horreur avec le plus d'épisodes sur la chaîne de Rayton? Oh, celui-là est dur. Ah non, pas tellement. Genre Outlast 2, Resident Evil, Final Fantasy Freddy, Walking Dead. Alors déjà, Walking Dead, je considère pas forcément ça comme un jeu d'horreur vu que c'est un Telltale. C'est pas Outlast 2. C'est... peut-être Resident Evil 7. Non, j'ai forcément... En fait, c'est pas vraiment un let's play, mais genre Final Fantasy Freddy, j'ai fait tellement de vidéos sur le jeu. Resident Evil 7, j'ai vraiment fait un let's play. C'est quoi la... Comment on fait là? Parce que en soi, genre Final Fantasy, je vous dis, genre j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, mais Resident Evil 7, c'est le jeu que j'ai terminé en let's play. Bon, allez, on va dire Final Fantasy, je pense que ça va être ça. Qui est la chanteuse préférée de Rayton? Chrissy Costanza. Je sais pas pourquoi je prononce comme ça. Queen, Miley Cyrus et Rihanna. Queen, c'est des garçons, hein, genre c'est un groupe. Mais c'est Chrissy, j'adore ce qu'elle fait. C'est Chrissy, c'est la chanteuse de Against the Current. Je vous recommande réellement ce groupe, il est vraiment cool. C'est du pop rock, mais c'est cool. Oh, le 16/05/2018. C'est quoi 05? Attends. 1, 2, 3. 4. Le 16 mai, à minuit 8, combien Rayton avait-il vu sa chaîne? Oh. Alors, pas 31 millions, c'est sûr. Moi, je dirais 23 millions. Parce que je sais que là, on s'approche lentement, mais sûrement des 30 millions de vues. Donc, on n'a pas 30 millions de vues. Je sais pas, je pense 23 millions. Mais j'aime pas parler en chiffres. Quel est le couvre-chef qu'il porte le plus? Un bonnet, une casquette, une toque, un chat? Un bonnet. J'adore porter des bonnets, j'adore ça. Surtout mes bonnets 21 Pilot, j'adore ça. Quel est l'ancien logo de la chaîne de Rayton? Mais j'en ai eu plusieurs. Un R bleu, sa photo de classe. Un dino de arc, un selfie. Ah, j'en ai eu plein en vrai des photos de profil de YouTube. Mais je crois que c'est un R en bleu, c'est la plus ancienne que je connais. C'est un abonné qui m'avait fait ça. D'ailleurs, c'est quasiment tous mes abonnés qui me font mes logos. Sauf le dernier qui est sur la chaîne. Le dernier logo, c'est moi qui l'ai fait. De combien d'épisodes le let's play de Rayton sur Undertale comporte-t-il? 12. Je pense 12. 9, c'est pas beaucoup, mais 12, c'est possible. Il y a marqué 67. Genre, 67, c'est si je disais une phrase du jeu par épisode. Quel est le fruit mascotte de la chaîne de Rayton? Rico la noix de coco, Solange l'orange, Bomba banana et Timmy Pastèque. Timmy Pastèque, c'était un personnage que j'ai inventé dans mes vidéos à l'époque et que j'utilisais dans plein de vidéos. Genre, il y avait toujours Timmy Pastèque avec moi, sauf que Timmy Pastèque est mort. Il a pourri. Et il puait à mort. Il était juste là, il était en train de puer, donc je l'ai jeté. Timmy Pastèque est aux oubliettes. Mais Timmy Pastèque était une bonne pastèque. Là, je vous présente Jackie la bouteille d'eau. Non, c'est beaucoup moins fun que Timmy Pastèque. Quelle date est sortie la vidéo de Rayton pour les 50 000 abonnés? Ouh, 6 janvier 2017, je pense. Je suis pas sûr. En pire, ça date beaucoup trop. Quelles sont les études du frère de Rayton? Audiovisuel, striptease, littérature, médecine. Même si mon frère serait très bon en striptease. Quand est sortie la première vidéo de Rayton sur Hello Neighbor? Le septembre 2000, août 2014, octobre 2016, décembre 2016. Oh, je crois que c'est en décembre.
Parce que je me souviens que j'étais en stage à l'époque. Quand je faisais du Hello Neighbor, j'étais en stage dans une entreprise et je crois que c'était en décembre. Ok, j'ai trop peur du résultat, j'ai pas envie de voir. Félicitations, Raytonien. C'est pour vous ça. Ton score est de 66% pour 36 questions. Quiz réalisé avec le Discord du Skiz Chopper Magic, Poisson, Gamma, Amarzio et Azimut. À 66%? Pourquoi? Non, attends, quoi? Et comment c'est possible? Genre, qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Peut-être que je ne sais pas qui je suis. Qui je dois voir quand je me regarde dans une glace? Va tout le monde, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, du coup, sur un quiz. Merci beaucoup, en tout cas, à Skiz Chopper Magic, Poisson Gamma, Amarzo et Azimut, qui ont participé, du coup, pour créer ça. Je vous le mets dans la description si vous avez envie de tester ce quiz. Après tout, ça va faire beaucoup de vidéos sur la chaîne, et ça se trouve, il y en a là où j'ai fait des fautes. Mais en tout cas, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est extrêmement important d'activer la cloche. Passez tous une très bonne journée. Absolument, c'était Rayton. Et ciao!